Ce qui m'inquiète surtout, c'est que ça fait des années hein, que voilà, on a eu l'occasion d'en parler assez souvent. Que je trouve que effectivement, il y a un travail à faire sur les Girondins. C'est inquiétant ce qui se passe. C'est inquiétant parce que ben, il y a un certain nombre de choses qui se disent par des journalistes qui sont quand même de bons journalistes, donc on peut les croire. Je crois que dans un système comme ça, il faut connaître la vérité. Sans pouvoir aujourd'hui prendre de jugement parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais je crois qu'il faut à tout prix qu'on puisse savoir ce qui se passe exactement, qu'il y ait vraiment quelques, je dirais pas une commission, mais en tout cas une structure qui permette d'écouter tout le monde avant de se permettre de juger ou de prendre des positions. Mais c'est vrai que c'est complexe, ça fait mal pour tout le monde, hein. C'est le club des Girondins, c'est le club des Aquitains, donc c'est notre club. À vous comme à moi. Et donc, voilà, j'aimerais que, voilà, j'ai vraiment envie que la lumière soit faite le plus vite possible et puis que tout ça rentre dans la sérénité ou en tout cas qu'on sache exactement ce qui se passe. On a l'impression que la sérénité, elle est loin de pouvoir être obtenue. Il y a le conflit plus que important maintenant entre les ultras et la présidence du club. On a presque à parler de procès, de justice. Ça devient très, très grave. D'un côté, peut-être comme de l'autre, sans défendre ni les uns ni les autres, en essayant d'être le plus objectif possible. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Effectivement, il faut que ça soit vraiment une neutralité en tout cas dans l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs sons de cloche. Il y a des gens qui sont intéressés d'un côté, d'autres de l'autre. Il n'y a pas de jugement à porter aujourd'hui. Il y a simplement une réflexion à avoir, essayer de comprendre ce qui se passe en toute neutralité. Vous savez l'amour que j'ai pour ce club. Vous savez également que je pense que le plus important dans un club, ce sont ses supporters. Parce que c'est eux qui font le bonheur, mais supporters aussi bien économiques que l'individu qui va tous les dimanches voir le match. Donc, il faut vraiment une neutralité complète d'un organisme qui soit ni ami avec un, ni ami avec l'autre, ni ayant des intérêts d'un côté ou de l'autre. Et je crois qu'il faut remettre ce club, en tout cas voir ce qui se passe pour essayer un jour ou l'autre de remettre ce club dans la bonne direction, parce que ça fait quand même, ça commence à durer quand même cette situation. Hein. Ouais, on a l'impression que rien ne peut les rapprocher aujourd'hui. Même si vous parlez éventuellement d'une commission de neutralité, peut-être avec des anciens joueurs, imaginons, ça peut être ça aussi, on a vraiment l'impression que ça y est, c'est terminé. Il peut pas y avoir de consensus. Moi, je suis plus positif. C'est-à-dire que je considère qu'on doit tous aller dans le même sens, c'est l'intérêt du club. L'intérêt de ce club qui a fait vibrer des générations de personnes. Et donc, je pense que la bonne foi, en tout cas, le bon cœur de chacun pourra permettre un jour ou l'autre, même si une petite faille, même si c'est minime, d'essayer de trouver la solution. Tant qu'on n'a pas tout essayé, je pense que voilà, on peut continuer à espérer. Maintenant, si demain ça ne peut pas se faire, il faudra prendre aussi d'autres initiatives. On ne peut pas, sous prétexte qu'il y ait des deux parties ou trois parties ou quatre parties qui se disputent les Girondins de Bordeaux, qu'on se dise, bah, écoutez, ils ne vont jamais s'entendre, donc on ne peut rien faire. Non, c'est justement, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, on réagisse. C'est que les personnes qui s'impliquent là-dedans n'aient aucun intérêt aujourd'hui pour les Girondins, parce qu'autrement, c'est ingérable. Aujourd'hui, vous en appelez peut-être à plus de communication de la part du club. C'est ce qu'un petit peu reproché, parce que Frédéric Longuepé a fait une interview aujourd'hui dans l'équipe. Lorsqu'on lit les réactions, c'est « mais finalement, on ne sait rien encore du projet de Kintric, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire », voilà. Ça me semble tout à fait logique. Ça me semble tout à fait logique, effectivement, quand on prend un club, quand on voit ce qui s'est passé entre le rachat d'M6. Je vous rappelle, c'est M6 qui nous a trouvé ces Américains. Donc, le passage d'M6 à un premier organisme, une première institution qui s'est battue à l'interne avec une autre, qui aujourd'hui une nouvelle, qui a un plan dont on ne connaît pas. On découvre un certain nombre de choses. Voilà, je crois qu'il y a des justificatifs à apporter, des éclaircissements à apporter. On peut pas se contenter, pardon, de certaines informations qui nous sortent une fois comme ça de temps en temps et pour laquelle on a encore plus de doutes. Donc, je pense que quand on prend la tête d'un club des Girondins de Bordeaux avec l'histoire qu'il a, toute une région derrière, on se doit de trouver les mots justes et on se doit d'expliquer ce que l'on fait, aussi bien aux supporters, aussi bien à la presse qu'à tous ceux qui ont investi dans ce club. Alors, les Girondins, c'est une société privée, mais comme c'est un sport, comme c'est le football et que ça touche le public, ça touche tout le monde, finalement, ça devrait être comme, voilà,
Il faut communiquer. On ne doit pas cacher les choses, même si on ne peut pas tout dire, ça on le sait. Mais voilà, il faut dire, voilà, on veut faire ça, ça, ça et ça. Il faut que ce soit précis. Je comprends rien, mais pour moi, ce n'est pas une société privée. Les Girondins de Bordeaux appartiennent à l'histoire de ce club, appartiennent à la ville, appartiennent au département, à la région, appartiennent à tous les supporters dans 15 coins de France et d'Europe qui supportent ce club. Que quelqu'un arrive en disant, voilà, je suis un financier, je vais apporter quelque chose. L'objectif d'un financier, c'est effectivement de gagner de l'argent, soyons clairs. Ils viennent pas là, ce sont pas des messies. Ils viennent simplement, mais par contre, il y a un intérêt obligatoire, c'est que ce club n'est pas une société privée, il appartient à la région, il appartient à son histoire. Et c'est justement l'erreur à ne pas commettre quand on prend un club de sport, quel qu'il soit, d'imaginer que ce club nous appartient à ceux qui mettent de l'argent. Il appartient d'abord à ses supporters, d'abord aux gens qui l'ont aimé, ceux qui ont écrit l'histoire, ceux qui sont toujours autour comme vous, comme tous les journalistes, comme tous ces passionnés, comme les anciens joueurs, comme les nouveaux joueurs. Donc c'est là, je crois que l'erreur, elle est là, à la base, c'est de croire que le club est... Justement, Philippe, vous pensez qu'ils ne l'ont pas encore compris, ça? Parce que il faut qu'on devienne le club référent de la Nouvelle-Aquitaine. Il faut qu'on se rapproche. Effectivement, c'est dit dans les propositions aujourd'hui dans l'article de l'équipe. Mais aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore compris. C'est pas la même mentalité que chez nous. Ce sont des Américains. Ils ont une approche différente. Donc peut-être qu'ils vont peut-être mettre un peu plus de temps. Mais le souci n'est pas là. Même s'ils ne l'ont pas encore compris, il y a un travail de fond qui doit être réalisé par la direction. C'est d'expliquer aux supporters comment ça se passe. C'est d'être beaucoup plus ouvert auprès des supporters. J'ai compris qu'il y avait un gros problème avec les ultras. Mais il n'y a pas que les ultras, il y a aussi d'autres structures. Donc je pense qu'il faut remettre à plat, essayer de remettre à plat. De toute façon, on peut pas rester comme ça, quel que soit l'amour qu'on a pour ce club, on peut pas rester comme ça sans avoir plus d'informations que ces petits fragments d'informations qu'on nous donne comme ça à grignoter en pensant que ça va être un gros plat, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement là on est arrivé à un point où il faut à tout prix que tout remettre à plat sur la table. Dans une neutralité dans un premier temps pour connaître exactement, pour écouter tout le monde, de manière à repartir avec ce club, parce que c'est pas envisageable pour nous. De l'extérieur, vous êtes inquiet ? Je suis triste. Je suis d'abord triste. Inquiet, je ne sais pas, parce que je vous dis, il me faut toutes les informations, il faut tous les éléments pour être inquiet. Aujourd'hui, je suis triste parce que j'ai pas envie qu'on parle de mon club comme ça. C'est un club auquel on a beaucoup tous donné et ça me fait mal, oui, ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui les gens sont tristes, mais je vous dis, moi, des gens dans la rue n'osent plus me parler des Girondins. Alors, il y a qu'une période où on venait m'engueuler parce que les Girondins n'avaient pas de bons résultats, même si ça faisait 15 ans que j'avais arrêté, mais à la limite, je préférais à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on m'en parle plus, on n'ose plus m'en parler. Et ça, ça m'attriste énormément. Est-ce que vous seriez pour, alors peut-être pas vous, mais que les anciens du club fassent, voilà, le tampon? Mais il y a une association d'anciens de joueurs, des Girondins, alors je ne sais pas si vous en faites partie, mais il y a une association qui existe. Est-ce que cette association pourrait faire tampon entre les ultras, entre la présidence? Je pense que effectivement une commission d'anciens joueurs accompagnée d'hommes politiques aussi. Attention, il y a de l'argent aussi qui est financé hein, là-dedans. Donc sur la mairie, la métropole, puisque je sais que vous êtes élu au Bousca et aujourd'hui le président de la métropole est toujours Patrick Bobet en attendant que les élections soient terminées. Est-ce que voilà ces gens-là peuvent intervenir? Vous imaginez bien que c'est pas à moi de le proposer, mais c'est vrai que ça semblerait logique peut-être. Là aussi, si on a toutes les informations, savoir quels sont les contacts ou les liens de parenté entre la métropole, la ville de Bordeaux, même le département et la région, et puis le club. Ça, aujourd'hui, je ne suis pas dans les petits papiers de ces informations-là. Mais effectivement, ça me semble logique aussi, parce que c'est le nom des Girondins de Bordeaux. Rien que Girondins de Bordeaux, on touche le département et on touche la ville de Bordeaux, et automatiquement la métropole et puis la région. Quant aux anciens Girondins, bien évidemment, mais à une seule condition, c'est que ces gens-là n'aient pas un intérêt avec le club ou un intérêt pour récupérer le club plus tard, etc. Donc, il faut faire très attention. On ne peut pas se permettre d'avoir des anciens Girondins qui sont en contact aujourd'hui avec des personnes qui sont au club ou qui ont l'ambition de pouvoir avoir des contacts avec des managers ou des représentants de joueurs, etc. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment une neutralité totale. Autrement, ça ne sert à rien. Autrement, on n'avancera pas. Aujourd'hui, c'est ça. Pour vous, la première décision, ça serait qu'il y ait un collège qui se réunisse et qui, dans la neutralité, dise voilà, ok, vous avez des désaccords, on va essayer de vous rapprocher. On va essayer de comprendre déjà. On va essayer de comprendre parce que des informations, aujourd'hui, l'information
qui est diffusée, on le voit par rapport à cette situation un peu particulière, que toutes les informations du jour au lendemain disent tout et son contraire. Donc ça, il faut arriver à comprendre avec des gens qui ont envie de faire avancer ce club, qui ont envie de faire repartir ce club, de pas entendre des choses qui sont choquantes, qui viennent d'un côté comme de l'autre. Donc oui, effectivement, il faut vraiment qu'à mon avis, qu'il soit complètement indépendante, qu'il soit à la limite, je vais même plus loin, qu'on puisse la filmer, que tout le monde puisse voir exactement ce qui se dit, de manière à ce que tous ceux, et je suis persuadé que si c'est une situation comme ça, je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui seront intéressés pour écouter en tout ce qui se passe et essayer de comprendre, parce que avant de juger, il faut comprendre. Et je serai vraiment dans cette neutralité-là. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un rapprochement et que ça s'améliore, dans le sens où il y a d'un côté les ultras qui demandent le départ du président et du responsable de la billetterie, Anthony Thiodet, et de l'autre côté le président qui, par rapport aux enregistrements divulgués par les ultras de certaines réunions, se disent je vais porter plainte parce qu'ils n'avaient pas à le faire. Donc c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça, quoi. Hein, oui, mais si. Voilà, si pour un intérêt commun, qui sont les Girondins de Bordeaux, on n'arrive pas à s'entendre, il faut changer les personnes. Au bout d'un moment, si vraiment on est allé jusqu'au bout, on a essayé de trouver une solution, qu'on a mis le temps, qu'on a écouté, qu'on a pris le temps de réfléchir, neutre à l'intérieur d'une commission comme ça, et qu'on n'arrive pas à trouver, on trouvera une solution. Il va falloir que la solution, on dit voilà, on est arrivé au bout du bout, on a tout essayé. Aujourd'hui, on est dans véritablement une impasse, donc il faut que les gens changent. Mais j'ose espérer qu'on peut encore arranger les choses. En tout cas, essayer de les arranger, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'écouter tout le monde et essayer de trouver une solution. Si on ne la trouve pas, il faudra de toute façon en trouver une. On ne peut pas laisser ce merveilleux club à l'agonie et puis avec des sous-entendus sans savoir exactement ce qui se passe et comment faire pour en sortir. Il faut que chacun ait l'humilité de se dire qu'on a peut-être fait des erreurs, qu'on peut peut-être reconnaître ses erreurs, c'est avancer. Et puis, se tromper aussi. Donc, voilà, je crois qu'il faut vraiment être dans cette sérénité de pouvoir se dire, on essaie. Et à l'arrivée, si on n'essaie pas, la commission aura fait son travail et puis les personnes responsables trancheront. L'image du club est ternie aujourd'hui ? C'est le moins qu'on puisse dire. L'image du club, ce n'est pas le club qu'on a connu. Aussi bien vous que moi, aussi bien les supporters. Aujourd'hui, l'image du club, alors effectivement, il faut jouer avec l'évolution des personnalités, notamment les joueurs qui n'ont pas la même vision, le même respect que pouvaient avoir les anciens sur le maillot ou sur une région, parce que c'est comme ça, c'est la vie qui fait ça. Mais il faut qu'on retrouve ce club parce qu'il est tellement beau et on a un stade magnifique, on a des infrastructures exceptionnelles, on a une histoire incroyable, mais on n'a pas le droit de s'arrêter comme ça parce que des gens sont la gueule, c'est pas possible. Est-ce que l'histoire d'amour ne peut revenir que par les résultats sportifs ? Et on pourrait pas tout oublier, mais voilà. Ça fait partie, c'est une des branches de la réussite des Girondins. C'est peut-être même le tronc. Mais il n'empêche qu'il faut aussi que toutes les branches qui sont rattachées à ce tronc puissent aller dans le même sens. Donc aujourd'hui, il faut aller chercher tout, il faut tout remettre en place. Il faut dire à ceux qui sont là depuis trop longtemps, laissez le club, si vous l'aimez, vous pouvez le laisser pour avoir de nouvelles ambitions à d'autres, de se dire on s'est trompé, on va revenir en arrière, on va essayer de trouver une discussion. Si le président ne peut pas parler, c'est le vice-président ou le vice-président ou un autre homme qui soit. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut faire. Quand on est dans l'impasse comme ça, il n'y a que la discussion qui peut arranger, et puis en tout cas, pour savoir où on va surtout.